Salut tout le monde, alors Julien, on va tout simplement jouer à Clash Royale. On va se faire un petit pack opening, après on se fera deux petites attaques, et après, par la suite, pour bien terminer, on ouvrira le petit coffre à couronne qu'on aura débloqué, et puis voilà, donc moi je vous dis à tout de suite, c'est parti. Nous revoilà avec le petit pack opening. Alors juste avant de commencer, juste comme ça, je vous le dis, hein, si à un bout d'un moment, l'intro vous saoule, hein, parce qu'elle dure quand même 16 secondes, c'est pas rien, c'est énorme, donc si elle vous saoule, vous me le dites, hein. Si à un moment vous ne pouvez plus la voir, vous me dites, j'essaierai de faire autre chose, enfin un truc un peu moins long, je me débrouillerai, tu vois. Donc vous me le dites, hein, si à un moment c'est saoulant, voilà, bon, faites comme vous voulez. Et donc du coup, ce que je vais faire... C'est que tout simplement, bah, je vais ouvrir un petit coffre d'argent. Voilà, on va se faire plaisir. je sais pas. Si, allez, coffre d'argent, les gars. C'est parti. Donc, 54 d'or. Putain, on commence bien, là, ce cause délire. Il est pas Rennes 7, hein. Je vous le dis direct. Il est pas Rennes 7, c'est l'autre qui a Rennes 7. Et d'ailleurs, j'en ai qu'un seul, c'est dommage. Et donc, du coup, 54 d'or, ça fait plaisir. Un chevaucheur de cochon. Oh, mais ça faisait tellement longtemps que j'en ai pas eu. Il a Rennes 6, hein, il est pas Rennes 5. Hein. Ça fait tellement... Oh là 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 là, mais c'est génial. C'est génial. Et là, 7 barbares, ok, bah voilà, ça fait plaisir. Il m'a dit, on commence bien. Oh là 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 là. Ah, j'ai toujours Snake qui me saoule. Hein. Ah ouais, non mais bon, il est pas bouché, mais il me saoule quand même, tu vois. Donc 43 d'or, tu vois, c'est déjà un peu moins là, tu vois. Tu dis, bon, on a descendu d'une arène ou ça se passe comment là? Donc 43 d'or, ça fait quand même plaisir. Un géant. Ça fait plaisir, le géant, il est quand même pas, il est badass, hein, on va se le dire comme ça. Gobelin à lance, ça fait plaisir aussi. Ça coûte pas cher, et puis c'est plutôt performant quand même, au niveau qualité-prix. Voilà, donc du coup, on va s'ouvrir ce petit coffre gratuit. Allez, c'est parti les gars. C'est parti le suspense. Que 47 d'or, tu te fous de ma gueule? Non mais tu te fous de ma gueule là. Attends, il est arène 7? Et tu vas me dire que je gagne que 40 têtes d'or. Tu pourrais pas m'en donner 60 ou... Non, enfin bon. Je vous assure qu'il a Rennes 7, hein, je vous assure. Regardez le dernier pack opening. Non, je... Ouais, si, c'est ça. Je sais plus, enfin bon, on s'en fout. Valkyrie. Oh. Et... Barbare. Là, ils sont sérieux, quoi. Non, mais... Eh oh. Pourrais peut-être arrêter de vous de ma gueule, hein. Tu regardes le dernier pack opening, je t'assure. Tu regardes le dernier pack opening, cet emplacement précis, là. Juste lui, là. Il est à Rennes 7. Je te l'assure. C'est écrit en dessous, Arène 7. Je te l'assure. C'est un truc de malade. Oh putain. C'est un truc de malade. C'est... Ah, je te jure, quoi. Et l'Arène 7, je gagne que dalle. C'est quoi ce délire, là? Ah, putain. Au moins du géant royal, j'en sais rien, quoi. Non, mais Supercell se fout de notre gueule. De toute façon, ils se foutent de notre gueule tout le temps. Allez, c'est parti, les gars. On va ouvrir un coffre gratuit. Ouais, c'est ça. C'est parti. Non, mais je suis dégoûté. Moi, je suis dégoûté. Donc 57 d'or, ça fait plaisir, ouais, ça fait plaisir, 2 gemmes, et franchement, on est à 391, ça augmente petit à petit, mais sûrement, on va bientôt arriver aux 500, c'est moi qui vous le dis. Oh, bon, on peut murer mini PK si on a envie, bon, j'utilise pas, donc ça m'intéresse pas pour l'instant, mais voilà. Donc, électrocution, ça va, j'ai eu l'impression qu'il y a eu pas mal de choses, non, en fait, il y a eu que 2 troupes, hein. Il y a eu que 2 troupes, mais bon. C'est pas mal parce qu'il y a aussi eu des gemmes, tout ça. Enfin bon, voilà, donc 58 d'or, ça fait plaisir. Une mousquetaire. Ouais, ça fait plaisir ça. Mais c'est vrai que j'utilise pas assez la mousquetaire. Mais bon, aussi, voilà, tu sais, j'ai trouvé mon deck, tu vois, donc j'ai pas envie de changer, tu vois. Cette électrocution, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Tu vois, j'ai trouvé mon deck, tu vois, j'ai pas envie de changer, tu vois, je veux que ça reste comme ça, tu vois. Putain, il est trop bien celui-là. En plus, je l'ai bien amélioré et tout. Il manque plus que les 3 cartes là et c'est fini quoi. Là, il me faut 4000 pièces pour améliorer ça. Après, j'améliore ça et après, je finis par ça là. Ah putain, ça va être génial. Bon, donc du coup, on va ouvrir le coffre d'or. Malheureusement, qui est à Rennes 6. De toute façon, t'as vu, hein, on a des coffres à Rennes 7 et on a rien dedans. Enfin bon, il y a un moment, moi j'en ai marre de me faire douiller dans le jeu. Hein. Putain, déjà qu'il y a je sais pas combien de cartes. T'imagines toutes les cartes qu'il y a. Imagine tout ce qu'il faut avoir. Non mais bon, c'est énorme, c'est énorme. Donc du coup, on va ouvrir le coffre d'or, c'est parti. Qu'est-ce que ça donne? 160 d'or. Ça va, ça passe. 2 chevaliers. Ça commence petit, ouais. Là, je suis en train de réfléchir à ce qu'il pourrait y avoir.
Mais est-ce que ça donne le chevalier? T'as ce nez, franchement. Ouais, chevalier, mortier, intéressant. Et ben voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Ah putain, je te jure. Voilà. Mais c'est pas les mortiers que je veux, moi, c'est les archers. Ben voilà. Et cabane de gobelins. Ah là là. Ah, non, j'avais raison de pas me réjouir, hein, tu vois. Et franchement. Bon les gars, je vais arrêter le pack opening là. Je vais vous dire tout de suite pour les attaques parce qu'il faut vraiment que. Ah non, il faut vraiment que. Alors, cabane de gobelins, ça fait plaisir. Ça. Enfin, oui et non. Disons que c'est pas mal, mais j'utilise pas. C'est pas génial, tu vois. J'aurais préféré cabane de barbare à la limite. Enfin bon, donc moi je vous dis à tout de suite pour les attaques parce que là, j'en peux plus, c'est chiant. C'est parti. Allez, c'est parti les gars, on est contre Monsieur Nice Gay, donc qui est niveau 8. Donc c'est parti, hop, voilà, petite bonne chance. Donc c'est parti, hop, on va tester. Alors, disons que j'ai un peu perdu tout à l'heure, voilà. Donc je suis à 1777 si je me rappelle bien. Et bon, voilà quoi. J'ai eu un petit problème du coup, mais bon, ça c'est pas très grave. Et donc du coup, me revoilà pour attaquer. Donc, oulala mince. Ça par contre, c'était pas prévu ça. C'était pas prévu du tout. Oulala, ça fait mal ça, hein. Oh, t'as mal tiré comme c'est pas permis, mon gars. Oh, il y a moyen de faire quelque chose, là. Hein. Un petit peu? Ouais, bah. Oh là là, c'est désespérant ce jeu, c'est désespérant. Bon, c'est pas grave, les gars, on est des fous. Valky cochon. Non, mais on est comme ça, nous, on est comme ça. Valky cochon direct, tu vois. On cherche pas à comprendre. Oh, mais comme il s'est raté, mon gars, mais comment il s'est raté. Oh, mais ça fait plaisir, quoi. Allez hop, il détruit même pas la tour. Et nous, on détruit une petite tour tranquillou. On va essayer de tirer un petit peu notre fût à gobelin. Voir ce que ça donne. Oh, ça donne bon ou pas? Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Mon retour en force, les gars. Ah, je suis content. Ah, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Donc, Le mec, il doit être dégoûté, mon gars. Ah, il doit être dégoûté, quoi. Enfin, bon. Donc, j'ai bien fait de faire du Valky Cochon, finalement. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, du coup, bah, non, j'ai eu quelques pertes tout à l'heure. Enfin, j'ai perdu quelques fois. Voilà quoi, hein, bah c'est pas très grave. Voilà, on va dire que j'ai eu un petit problème, mais on continue, c'est pas grave, on cesse pas de désespérer. On est toujours présent, on est comme ça, on est... et on fonce quoi. Quoi qu'il arrive, y a pas de souci. Donc, c'est bon, nickel, tu me touches un peu la tour, ça ferait plaisir. Bon, ouais, c'est parti, on envoie de la horde. Hein. On est des fous, on est comme ça. On envoie de la horde, on envoie du feu à gobelins. Tranquillou, voilà, ça fait plaisir. Ouais, bah dis, on se fait plaisir quand même. Hein. Faut en plus y tirer une boule de feu quoi, mon gars. C'est génial, j'adore. Oui, donc tu pouvais m'en... Voilà, tu me tires ça. Tu me tires une petite Valkyrie, tranquillou. Des petites flèches, pourquoi pas. Voilà, on se fait plaisir, ça va, ça passe. Ce qu'on va faire, ça va être très simple, hein. On va envoyer du molosse de lave et on va envoyer la pâtée, les gars. Alors là, mais on va tellement envoyer la pâtée. Le mec, il va rien comprendre. Tu vas voir. Non, tu vois, tu vas halluciner. Tu vas... Non mais tiens, on va le bombarder mon gars. Le mec il pourra rien faire. Oh putain, regardez-moi ça. Oh là là là. Ça fait plaisir, regardez-moi ça. On renvoie un petit peu. Non mais tu vas voir, le mec il peut rien faire là, c'est pas possible. Oh là là. Mais c'est génial. C'est génial. Bon voilà, je vais vous le dire, je vais être honnête avec vous. Je suis un gros bouffon. Disons que j'ai cassé mon écran. Voilà, ça arrive, c'est les choses qui arrivent. J'ai cassé mon écran. Donc du coup j'ai pris celui de mon père qui avait dans sa chambre. Donc je sais pas combien de temps je vais pouvoir le garder. Pour l'instant il est en vacances pendant 15 jours. Donc pendant ces 15 jours je pourrais le garder. Mais est-ce qu'après il m'autorisera à le garder? Je sais pas. Donc voilà, ouais, donc je suis honnête avec vous. J'ai cassé mon écran. C'est pas grave, on continue. Voilà, j'ai cassé plein de trucs dans ma vie. Ça a toujours été comme ça de toute façon. Je casse les choses pour rien, pour des conneries. Et voilà, enfin j'ai toujours été comme ça de toute façon. Et puis voilà, donc ah bah j'ai oublié de lui dire bonne chance tout ça. Voilà, donc du coup bah voilà, c'est comme ça arrive. On continue, c'est pas grave, on s'en fout quoi. C'est rien, c'est du matériel. De toute façon, on pourra toujours en racheter s'il faut. On va se casser le cul à bosser. Là, on a intérêt, mais chut, hop, on rachète un écran. Y a pas de souci. Voilà, bah ouais, on est comme ça, nous. Voilà, positif, mon petit positif. C'est
C'est pas la première chose que je casse, hein. T'inquiète pas, des téléphones j'en ai cassé, hein. Ah ouais, non, enfin j'en ai pas cassé, pas. Disons que j'en ai pas acheté, du coup j'en cassais pas, tu vois. Parce que je me dis, ça sert à rien que j'en achète si t'es derrière je le casse, tu vois. Enfin bon, moi je vous dis à tout de suite pour une deuxième attaque. On a cassé l'écran, c'est pas très grave. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on est contre Big Bois, donc qui est niveau 8. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et là, on a le molosse dès le début. Ah mince, j'ai oublié de. Bonne chance. Donc on a le molosse dès le début. Et c'est parti, les gars. Là, normalement. Si on a le molosse dès le début, on fait du taf. Normalement. Je dis bien normalement, parce qu'il y a des fois, malheureusement, j'y arrive pas. Mais généralement, quand j'ai le molosse dès le début, j'ai envie de te dire, hein, c'est exceptionnel, hein. C'est exceptionnel. Mais oui, c'est exceptionnel, tout simplement. Oh, ça passe ou pas? Ah, ça va. Ça va, ça va. Donc, on va envoyer ça. Intéressant. On va essayer d'envoyer du feu à gobelin, pourquoi pas. Feu à gobelin qui passe. Feu à gobelin qui passe. On va pouvoir envoyer notre horde. Allez, c'est parti, on envoie notre horde, les gars. Il a quoi? Il a des flèches ou pas? Il a pas de flèches? Il a pas de flèches? Oh, il a pas de flèches. Mais c'est génial. Mais c'est génial. Il a pas de flèches et tout, c'est vraiment génial. Oh là 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 là. Mais on a fait... Oh là là, les dégâts qu'on a fait. Les... Oh. J'ai même pas envie de regarder. Ah, me montrez pas ça. J'ai commis un meurtre, monsieur. Oh là, hey, c'est génial. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de faire des bons trucs comme ça. Enfin bon, donc c'est parti. Voilà, le petit cochon qui casse la tour. Ça, j'avais prévu, hein. Quand j'ai vu qu'il y avait le feu à gobelin qui arrivait, je me suis dit, ah, toi, je pourrais pas te défendre. C'est pas possible. Ça va, ça passe, il a mis sa Valkyrie pour défendre des vieilles archers. Bah, si t'as envie, mon gars, hein, tu fais bien ce que tu veux. tu veux faire n'importe quoi, bah fais n'importe quoi, y a pas de souci. Donc à ce niveau-là, on est plutôt bien. Voilà. Et là, on envoie les petites... Oh là là. Oh, mais il est mort, de toute façon, il est mort. Il est mort, qu'est-ce que je te dise de plus, moi? Bah ouais, super, bah non, pas super, mon gars, tu t'es fait défoncer. Donc super combat à la limite si tu veux. Et puis après bonne chance. Voilà, donc ça fait plaisir franchement. Voilà, on gagne encore une fois là. Hop. On augmente le plus vite possible. Ça c'est un truc de fou. Et c'est parti les gars. On va tout simplement ouvrir le petit coffre à couronne. Alors pourquoi on va ouvrir le coffre à couronne? C'est très simple, bah parce que il est débloqué. Voilà. Je prends sur moi, les gars, je prends sur moi. Ah, vous savez très bien de quoi je parle. Bon, allez, c'est parti, les gars, on ouvre le coffre à couronne. 400 d'or, mais c'est génial. Au pile 400 d'or, quoi. Genre 400 d'or, tu vois. Genre, on dirait que j'ai passé un cap, tu vois. Genre, on dirait que c'est exceptionnel, tu vois. Alors qu'il est 46, hein. Mais 400 d'or, quoi. Et plus que 900 d'or. Et je suis à reine. Et je suis à reine. Et je suis. Plus que 893 d'or. Et on continue. Je vais vous dire ça après. Gargouille niveau 9. Donc ça fait plaisir. Voilà, donc 3 gemmes. Franchement, plus que 106 gemmes. Et on a 500. Franchement, bientôt. J'espère qu'on va bientôt y arriver. J'espère qu'on va aller de ouf super vite à ces 500 gemmes. Parce que j'aimerais bien faire un petit tournoi. Ça pourrait faire plaisir quand même. Squelette, ça fait plaisir. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas eu des squelettes, hein. Dis, mais il est gentil aujourd'hui, là. Cochon, squelette. Ah, il me déterre un petit peu les zombies, là, qui étaient... qui restent sous terre, là. Hop, il me les déterre, là. Cochon, zombie, squelette, zombie. Non, mais bon, voilà, quoi. C'est vrai que ça fait longtemps, quand même, qu'on en a pas eu, quoi. Il faut être honnête, hein. La dernière fois qu'on en a eu, c'est parce qu'on avait eu des coffres d'arène 5. Ah, parce que j'étais tellement nul que je suis redescendu à arène 5, tu vois. Donc, enfin bon. Là, j'essaye de me battre pour arriver à arène 7, mais j'y arrive pas, c'est un truc de ouf. J'y arrive pas, je comprends pas pourquoi. Pourtant, j'ai les capacités, hein, mais j'y arrive pas. Je perds pour rien, je suis pas assez attentif sur le jeu, tu vois. Donc, du coup, alors là, on a du fournaise. Alors, le fournaise, disons que ça passe, mais pour l'instant, je sais pas si je vais l'utiliser. Parce que le truc, c'est que je suis pas très bon, moi, avec tout ce qui est... les trucs comme ça, là. Tout ce qui est les bâtiments défensifs. J'arrive pas à les utiliser, c'est un truc de malade. Et donc, du coup, bah, je sais pas. Mais j'essaierai peut-être d'utiliser un jour, je verrai bien. Donc, du coup, il y a du canon. Je viens juste te dire avant que je n'arrivais pas du tout à utiliser les trucs défensifs. Le mec me fout 36 canons.
Ok, non, j'aurais préféré des archers ou même des gobelins à lance, pourquoi pas, ça aurait fait plaisir, mais bon, c'est pas très grave. Donc bon, j'avoue que j'ai mal démarré là aujourd'hui, mais c'est pas très grave. On a quand même des bonnes troupes pour l'instant, ça passe bien, en espérant pouvoir augmenter celle-là niveau 9 et pourquoi pas celle-là aussi. Celle-là niveau 3, ça ferait encore plus plaisir. Et puis voilà, donc, du coup moi je vais essayer sur ce, je vous dirai une prochaine vidéo, je vous dis ciao, et puis n'oubliez pas, restez cool.